Ok. Je disais que merci, Madame la Présidente. Une commission de contrôle et d'information doit se rendre en Côte d'Ivoire, Bénin et au Burundi. Et relativement à l'application des dispositions de l'acte A/SA.E/12/16 et relatif au renforcement des procédures et relatif à l'application des dispositions de la CEDEAO sur la sécurité maritime. C'est ainsi que je donne la parole au rapporteur pour nous lire l'objectif général et les activités à mener. Merci, madame. Merci bien, Monsieur le Président. Madame la Présidente, il y a un objectif général. Elle vise à vérifier sur le terrain l'état de mise en œuvre du dispositif adopté dans le cadre de la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO afin de permettre au Parlement d'apprécier le niveau d'opérationnalité du mécanisme. Au niveau des objectifs spécifiques, il y en a deux. La première, c'est de constater l'état de fonctionnement des structures ciblées, les moyens matériels, humains et financiers mis à leur disposition pour accomplir leur mandat et leurs contraintes éventuelles. Le deuxième objectif spécifique, appuyer l'unité en charge de la sécurité maritime du département de la commission de la CEDEAO en charge des affaires politiques, de paix et de sécurité dans la sensibilisation des autorités nationales, des États membres et des partenaires de la mise à la disposition des moyens nécessaires à l'opérationnalisation des structures en charge de la sécurité maritime. Activité à mener lors de la mission de contrôle et méthodologie. La mission de contrôle se déroulera autour des activités et selon la méthodologie SIAPRE. Petit A, visite des structures stratégiques ciblées, mise en place pour la mise en œuvre de la stratégie maritime intégrée de la CEDEAO, à savoir, premier point, le centre de coordination régionale pour la sécurité maritime, basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Deuxième point, le comité national de sécurité maritime du Togo, à Lomé. Troisième point, le bureau, centre multinational de coordination zone 2, dit zone pilote, basé à Cotonou au Bénin. Point 11. La mission sera exécutée par deux groupes de députés, dont l'un effectuera la visite auprès du centre de coordination régional Abidjan et l'autre le comité national de sécurité maritime du Togo à Lomé et le bureau de la zone E à Cotonou. Point 12. Au cours de ces visites, les membres de la mission auront l'opportunité de constater l'état de fonctionnement de ces structures, les moyens matériels, humains et financiers mis à leur disposition pour accomplir leur mandat et leurs contraintes éventuelles. Petit B, rencontre de sensibilisation des autorités des États membres. Compte tenu du rôle stratégique de ces pays en matière de sécurité maritime, les membres de la mission pourront également, au besoin, rencontrer les autorités en charge de la sécurité maritime du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire, afin de les sensibiliser sur la nécessité de renforcer l'opérationnalité des structures qu'abritent ces pays. Petit C, élaboration du rapport de la mission de contrôle. La fin de la mission de contrôle sera sanctionnée par un rapport de mission qui sera adressé au président du Parlement au fin d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine session ordinaire du Parlement pour délibération. À cet effet, les deux groupes de députés feront leur rapport de mission. Une version consolidée sera adoptée et présentée en plénière. Les participants. Au regard des attributions réglementaires de la commission permanente du Parlement, prendront part à la mission de contrôle. Premièrement, les députés du Parlement de la CEDEAO, dont les membres de la Commission Affaires politiques, paix, sécurité et MAEB, et de la Commission Affaires juridiques et judiciaires. Point 2,
Le député coordinateur des députés membres du Parlement de la CEDEAO de chaque pays à visiter, Côte d'Ivoire, Togo et Bénin. Point 3. Personnel d'appui technique de l'administration du Parlement. La mission sera conduite par le président de la Commission Affaires politiques, Paix, Sécurité et Maïeb du Parlement et le vice-président de la dite Commission. Période et lieu d'exécution de la mission. La mission se déroulera du 23 au 27 juillet 2019 à Abidjan, Lomé et Cotonou, concomitamment selon le calendrier joint en annexe au présent terme de référence. Merci bien, Président.